on en parle souvent, la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, celle qui pose les bases de la laïcité en France. Mais une mesure agite encore plus le débat, c'est ce qui consiste à mener l'inventaire des biens de l'Église. Les paroissiens s'en méfient, ils y voient surtout un moyen pour l'État de prélever les biens de leur paroisse. Tout commence le 23 février lorsqu'un gendarme vient avant Brochy pour avertir qu'un inspecteur passera faire l'inventaire quelques jours plus tard. Déjà, les choses commencent mal, car monsieur le curé refuse de signer le papier qui confirme qu'on lui a transmis l'information. L'histoire a voulu que le jour venu, l'inspecteur se nomme Léon Bienvenu. Oui, enfin, pas trop en fait. Quel accueil va-t-on encore lui réserver avant Brochy? Déjà, on a prévu sa sécurité. On sent que les choses vont mal tourner. Deux gendarmes et deux gardes champêtres escortent l'inspecteur pour traverser la rue et se rendre à l'église. L'inspecteur entre dans l'église et surprise, tous les paroissiens sont là, installés dans l'église. De nombreux ouvriers des usines voisines sont venus leur prêter main forte après avoir reçu congé de la part de leur patron. L'inspecteur prend alors la parole devant la foule de paroissiens, ici même, qui se lèvent de leur place et s'amasse autour de lui pour former un cercle, s'approche et s'approche encore pour l'impressionner. Effrayé, l'inspecteur ne pouvait pas continuer sa mission. Il voulait maintenant sortir à tout prix. Il demande alors à monsieur le curé de lui faciliter la sortie, et ce dernier, d'un seul geste, fend la foule, permettant à l'inspecteur de passer. Bon, heureusement qu'un vicaire et que le directeur de la distillerie l'ont escorté jusqu'à la sortie, parce que la foule poussait derrière. Des cris brisaient le silence. « À bas les voleurs !» Le bien mal nommé n'était pas ici chez lui. Une fois dehors, dans un élan de revanche, 500 personnes se retrouvent sur le parvis. Un groupe commence alors à entonner des cantiques. Un autre groupe va chercher des matériaux, des traverses, des sommiers. Que vont-ils faire avec ça? Tout simplement barricader l'église ici même. Depuis la sacristie, des Vambrossitains donnent des vivres aux personnes restées à l'intérieur de l'église pour la barricader. Sur le toit de l'estaminet en face, les habitants regardent ce qu'il se passe. Et tout le monde est à sa fenêtre. On vit ce jour-là à Vambrochy un événement exceptionnel. On ne rigole plus. Et du côté du préfet non plus, qui décide d'envoyer l'armée pour calmer le jeu à Vambrochy. Oui, 200 hommes sont envoyés pour permettre à l'inspecteur de mener à bien sa mission. La résistance y est considérable, puisqu'au fur et à mesure, 200 personnes se trouvent à l'intérieur de l'église et entassent toujours plus de nouveaux matériaux. L'inspecteur doit bien remplir sa mission. Il tente une première fois de rentrer dans l'église à 11h. Il essaie encore, et ce n'est qu'à 14h30 qu'il y parvient enfin. L'inspecteur finit par y arriver, mais les paroissiens n'en restent pas là. Ils sont bien décidés à signaler leur opposition à cette loi. Pour cela, la brasserie de Gruson, anciennement située rue du Général Leclerc, offre une magnifique statue de Jeanne d'Arc à la paroisse qui est encore visible aujourd'hui. De son côté, monsieur le curé organise une majestueuse procession dans toute la ville.